Cette chanson. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Oui. Alors les petits copains, j'espère que ça va bien. Bon, aussi on a disparu. Elle est sous la table. Elle est sous la table? Oui. Pff, n'importe quoi. Grosse casquette. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter, enfin plutôt Corentin et Océane avaient très envie de vous présenter quoi? Une crèche Playmobil. Alors c'est leur crèche Playmobil. Oui, parce alors, que c'est nous qui l'ont voulu. Oui, alors c'est Corentin et Océane qui l'ont voulu il y a quelques années déjà. Donc elle n'est pas toute neuve, mais ils voulaient vous la présenter parce que c'est vrai qu'elle est super. Alors c'est vrai que nous on fait la crèche à la maison, mais on aime bien aussi l'aspect ludique. Donc même les enfants qui font pas la crèche, vous pouvez quand même regarder la vidéo parce que avant d'être une crèche, c'est quand même un jouet, ça reste des Playmobil. Et du coup, comme Corentin et Océane, quand ils étaient petits, ils cassaient souvent les personnages, on a décidé d'acheter les Playmobil, comme ça ils peuvent jouer à la crèche sans... les casser. Sans les casser, bah oui, c'est plutôt super. Alors ça y est, Océane arrive. On voit une petite main. On la montre aux petits copains, cette crèche, à quoi ça ressemble? Oui. Alors, fais voir. Alors, oulala, elle est très lourde. Elle est très très lourde, les amis. Donc elle existe toujours au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est le numéro 4884. Alors c'est de 4 à 10 ans. Mais bon, Corentin et Océane, Océane, ils jouent depuis un certain temps déjà. Ça fait peut-être 4. Ouais, c'est peut-être la quatrième année qu'on a la crèche. Donc voilà, donc c'est... Bon, après, faites pas attention au scotch. Parce que, bon, elle a été scotchée plusieurs fois. Donc voilà, elle se compose ben, des personnages principaux. Avec un décor. On la montre, cette crèche? Oui. Alors, vas-y. Voilà le socle. Et alors, il y a un joli décor. Waouh, le joli décor et le socle. Bon, on va tout sortir de la boîte. Alors, Océane, qu'est-ce que tu sors? Les grands trucs, on les met ici. Oui. Et les petits, on les met là. En fait, tout ce qui fait partie de la crèche, on les met là. Il y a Jésus. Oh, tu vois? Oui, c'est le petit bébé de la crèche. Et on le met loin parce qu'il n'est pas né. Mais voilà, donc c'est le petit bébé. Donc, normalement, nous, on a pour habitude de le mettre que le jour de Noël. Mais bon, là, pour la vidéo, on va le mettre un peu avant, puis on l'enlèvera après, si on veut. Oui, parce qu'il n'est pas né. Regardez un peu, les amis, comme il est belle. C'est super personnage. Regardez ce dromadaire, il est magnifique. Il appartient au roi. Et il appartient et au roi. Et le petit lit de Jésus. Alors là, on a un petit ange. Un petit ange, une baguette magique, c'est rigolo. Regardez. Ils sont vraiment beaux. Jésus. Oui, il y a même le lit du bébé. Oh là là, le lit du bébé. Regardez, il est en paille. Hop, et on le couche dedans. Ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, on a un autre roi. Enfin... C'est un roi mage. Un des trois rois, voilà. Roi mage. Regardez comme ça. Ils sont vraiment bien faits. Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est pas le trésor. La petite souris. Ça, c'est pas le trésor. Oh, je sais pas. La petite alors, souris. Je trouve que ce sont je trouve que ce sont des personnages qui sont plus réalistes à la limite que la crèche normale. Moi, je trouve qu'ils sont très, très bien faits. Et ensuite, on a le dernier roi mage. Voilà, alors regardez. Tout est en détail, la couronne. Non, c'est pas un roi mage, c'est le roi. Non, c'est un roi mage loulou. Ensuite, nous avons des petits cadeaux. Et s'il y a les cadeaux. Voilà, pour mettre le bois. Ah, une toute... Alors, regardez le sens du détail quand même. Regardez la toute petite souris qui va rentrer dans le trou. Donc, c'est vraiment super bien pensé. Pourquoi c'est là, ça? Oh, je sais pas. C'était dans l'ancienne crèche. Alors ça, c'est le trésor qui est offert au bébé, voilà, à Jésus, donc il est offert. Donc voilà, il y a même les pièces à l'intérieur, vous imaginez les amis? Comme c'est bien fait. Regarde ce qu'il a offert lui, il a offert ça et lui il a offert ça. Non, ça c'est de la farine chérie, ça c'est de la farine. Oui, ensuite nous avons la mire. C'est pour qu'il faut à manger, en fait. Oh oui, c'est pour qu'il fasse à manger. Enfin, même une petite corde pour accrocher le chameau. Et même, il y a une petite corde pour Joseph. Et puis la maman Marie. Regardez comme elle est belle. Oh, moi, je vais être au sein de la crèche vivante. Un berger. Le bœuf. Mais c'est beaucoup plus grand. Moi, je vais mettre un petit berger. Un berger. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Voilà, le petit berger.
Il y a du bois. Et aussi du feu qui se met dessus. Ah oui, regardez. Ça, c'est la petite lampe. Une petite lanterne. Jésus. Qui s'éclaire. Et en plus, sa lumière oscille comme une vraie. Et après, il y a du bois où on peut mettre le feu dessus. Donc, des détails. Il y a l'âne, bien sûr. L'âne, les amis, bien sûr. Qui a soufflé sur Jésus pour le réchauffer. Et voilà, donc des moutons, oui. On met le feu dessus. Oui. Ça voilà, donc on la monte cette crèche. Oui. Maintenant qu'on a montré l'essentiel. Allez, bon, comme ça, on le met tout de côté. Je vous laisse monter ça. On doit mettre le sac. Et après, on va montrer tout ça aux petits amis quand c'est fini. Qu'est-ce qu'on met derrière? On met pas ça derrière. Ouais. Ça. Vous en sortez? Je crois que c'est de l'autre côté, ouais. Mais je crois que t'as oublié de mettre la charpente. Ah oui. La charpente. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, c'est pas pour maman parce que chaque fois, j'oublie, moi. Voilà. Hein? Il manque l'autre. L'autre charpente. Ah, j'espère que ça va avancer, hein. Le machin, il a l'air pas de bien tenir. Voilà. Voilà, ah, c'est bon. Oh, maintenant il faut mettre le décor. Oui, mais j'y arrive pas. T'arrives pas à le mettre? Bah, je vais t'aider. Alors, attends. On va mettre un petit coup comme ça. Hop. Après, ça va faire ça. Dans les trous, regarde. Hop. Ah, bah, alors, ça a l'air d'être facile, ça. Hein? Bah, oui, c'est super simple. Bah, en fait, c'est un peu comme Pac-Man. Hein? Ça va dans tous les sens. Alors maintenant les amis, il nous reste plus qu'à mettre la crèche. Donc bah Océane, tu peux mettre les plantes aussi. Il reste à mettre les plantes et on va mettre la crèche mais près moi, du sapin. Moi je veux mettre comme la crèche elle est près du sapin. D'accord, bon, on va mettre la crèche près du sapin. Alors ça y est, vous avez installé votre crèche? Oui. Ouais, on montre au petit copain? Oui, ça ressemble à ça. Ouais, trop beau, trop beau. Alors attendez, moi j'ai une idée. Et si on l'allumait cette crèche pour monter au petit copain? Ah oui! Oui? Allez, oui. On va l'allumer. Et voilà les amis. Regardez cette jolie crèche. Alors, nous avons le petit Jésus au fond. Marie qui le surveille. Regardez la lampe est éclairée. Le berger qui donne à manger à ses moutons. C'est moi qui l'ai mis devant là, oui. Le petit. Un petit roi mage. On a vu aussi les cadeaux qui changent de couleur nous dans la crèche. Oui, mais pourquoi là, nous regarde. Avons regarde. Jésus qui est en train de couper du bois. Pas Jésus, Joseph. Joseph, pardon, qui est en train de couper du bois. Et là, nous avons un mage qui arrive sur son dromadaire. Un autre qui apporte ce pièce d'or. Un petit colombe. Il est où le linge? Il est là-haut, le petit ange. C'est lui qui fait le bonhomme de neige. Petit aussi, bonhomme de neige qui change de couleur. Alors regardez, je vais vous montrer une vie d'ensemble. Alors on a aussi des... Oh, bah on a un Père Noël, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? On a il change de couleur. Père Noël, bah lui aussi il change de couleur. Mais pour l'instant, il... Ah voilà, c'est bon. Oh, il est tout rouge maintenant. Là, il est tout violet. On a même des petits sapins comme ça. Ah non, il est bleu clair. Alors regardez les amis. Blanc. Pardon, Océane. Regardez. Et dites-nous ce que vous pensez de notre décoration avec le sapin à côté. Voilà. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, tiens, de notre déco. Ce serait super gentil de nous dire. Alors les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh là là. Alors dites-nous dans les commentaires si notre décoration pour Noël, notre crèche, notre sapin, etc. vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit... Bonjour. Et laissez-nous un petit commentaire. Et si c'est pas déjà fait, les amis,
Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les amis, bisous bisous. Bisous.